Les micro-bitumes de Matt. Maurice a dit. Qu'est-ce qui fait que les extrêmes, et particulièrement l'extrême droite, est souvent travaillé par l'immigration, etc. Est-ce que les gens d'extrême droite doivent être entendus? Est-ce qu'il faut s'intéresser à ce qu'ils disent? Ou est-ce qu'il faut simplement se dire ce sont des fachos, on ne les écoute pas, et voilà, stop quoi. Est-ce que ces gens-là ont des raisons de se plaindre ou de ne pas être contents? Est-ce que les personnages politiques doivent-ils, partout en Europe, hein, pas seulement en France, doivent-ils prendre en compte les doléances des gens des extrêmes? Si tu votes pour les extrêmes, est-ce que tu te souviens du moment où tu as pris cette décision? Justement, il faut mieux avoir connaissance de leurs propos plutôt que de les ignorer. Je pense que comme ça, ça permet d'ouvrir aussi le débat, que chacun ne soit pas retranché sur ses positions. Et puis, alors après, si la discussion n'est pas possible, n'est pas ouverte, au moins on sait dans notre société ce que pensent les autres et on ne se voile pas la face. Alors moi, je travaille dans une institution où il y a un CADA, un centre de demandeurs d'asile. Donc je vois des gens de tous les horizons arriver et dans des états, quelquefois, enfin voilà, ils ont traversé des... ils ont un parcours très douloureux. J'entends des fois dans mon entourage des personnes dire ouais, les immigrés, ils viennent ici pour profiter, ceci, cela, mais ils n'ont pas cette réalité de leur vie, de leur parcours. Ça, ils voient que le côté superficiel. Et moi, ouais, voilà, je les vois défiler. Je sais que ça, le côté humain, du coup, ressort tellement. Vous voyez, rien que d'en parler, ça se sent dans ma voix. Je pense vraiment que même si ça peut perturber d'écouter des personnes. Justement côté immigration, que ça peut énerver, ça peut rendre fou, il faut écouter, il faut toujours écouter, il faut pas se voiler la face. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer et justement traiter les problèmes. Pour le problème que Maurice vient de poser. Moi, j'ai vécu 10 ans dans le 20e arrondissement à Paris, c'est le quartier plus que maghrébin, Afrique du Nord, complet. J'ai jamais eu un problème là-bas, aucun problème, donc pour ça que ça me fait doucement rire, parce que le problème, il est lié aux personnes, français ou étrangers, à deux ou trois cas qui sont regrettables des deux côtés. Mais c'est pas la généralité, c'est pas ça. Moi, j'ai vécu 10 ans dans le 20e, il y a plus d'arabes que de français, et j'ai jamais eu un problème de rien. Donc ça me fait un peu doucement rire, parce que c'est une extrême qui est pas réelle. Il y a beaucoup d'étrangers. Et ça me dérange pas, je suis à l'aise, parce qu'il n'y a pas de problème ni rationnel ni de comportement. Donc voilà, moi c'est ce que j'en pense. Merci. Politique comme votre mec Maurice là, moi j'ai pas de parti politique. Hein. Mais là c'est quand même un peu grave. C'est quand même carrément grave. Moi aussi je travaille dans un milieu où j'ai 80% de maghrébins. C'est pas intéressant. Non. Enfin, je dirais. Non. D'accord. C'est pas intéressant ce gars, parce que il a des préjugés qui sont les siens. Je respecte aussi, mais les préjugés pour en avoir, il faut aller vivre dans un quartier maghrébin et puis voir comment c'est le point là. Ouais, quand tu vis là-dedans, c'est quoi, tourment. Je comprends parce que des fois c'est insupportable. Mais en fait, moi j'ai vécu 20 ans à Paris, 10 ans à Paris dans un quartier plus que maghrébin. J'ai jamais eu un souci, jamais rien. Et tout le monde, il y a des problèmes, on la règle. Il y a eu des problèmes avec tout le monde, mais ça se règle. Mmh. Et c'est pas pire à la queue que les Français. Mmh. Mmh. Donc moi, je trouve que c'est trop extrême. C'est des sujets comme votre mec là, il rallume la flamme pour rien du tout. Alors, on n'a pas besoin de. On sait très bien ce qu'on a à faire. Votre mec, il est zéro. Eh bien moi je trouve que les propos et la réflexion, en tout cas la réflexion est intéressante parce que il est vrai que voilà que
gauche-droite, c'est des étiquettes qui sont souvent adossées et qui font que, voilà, diviser pour mieux régner, hein, vous connaissez l'adage. Et moi, je pense que de toute façon, même dans, chez les personnes extrêmes, quel que soit le sujet, que ce soit l'immigration, la politique ou même la vie, je pense que toutes les extrêmes, que ce soit de la pensée ou les actions, sont amenées par un vécu, par des choses qui ont été vécues. Et que je pense qu'il faut essayer, en tout cas, essayer de comprendre pourquoi chacun a telle idée, telle opinion. C'est jamais sans raison. Donc je pense que tout le monde a le mérite d'être écouté, en tout cas. Et voilà, on n'est pas forcément obligé d'être d'accord, mais c'est ce qui fait aussi la discussion, le débat. Un débat, c'est opposer des idées, sans pour autant dénigrer celle de l'autre, et comprendre que l'autre puisse avoir une autre vérité, une autre idée. Donc moi, oui, je pense que tout le monde devrait être entendu, au moins pour pouvoir échanger, du moment que le débat peut être géré par des personnes adultes qui savent s'écouter, se respecter, que ce soit fait dans le respect surtout. Qu'est-ce que les gens disent ? Moi, j'ai 72 ans. Donc, vous êtes bien plus jeune que moi. Moi, j'ai vécu des belles années jeunes. Il n'y avait pas tous ces problèmes. Et des choses que j'arrive pas à comprendre. La vie d'aujourd'hui, par rapport à la vie qu'on a menée. J'étais étudiant à Lyon, 68. Mais qui n'est pas né. 68. Ouais. C'était pas dans les événements de mai, j'ai entendu parler. Alors, vous savez, la vie d'aujourd'hui, comme je la vois pas belle, primo, pas belle du tout. L'avenir n'est pas beau pour les jeunes, je les plains énormément. Moi, j'ai deux fils, mais j'ai pas de petits-enfants. Mais je plains les petits-enfants. Qu'est-ce que ça va donner? Quand on voit dans les écoles ce qui se passe aujourd'hui, on attaque les professeurs. Enfin, vous avez l'actualité comme moi. Oui. La même. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Je ne peux être qu'affirmatif pour certaines choses. Comprenez-moi. Oui. Sans que je sois facho, sans que je sois extrémiste, parce que j'ai jamais été extrémiste, d'un côté ni de l'autre. J'ai toujours eu un père qui a voté d'une façon. Et il m'a toujours dit, ses idées sont les miennes, tu feras ce que tu veux, mais j'ai toujours suivi mon père. Dans ses idées, il n'est pas d'extrême gauche, pas d'extrême droite. Alors voilà, il y a du pour et du contre dans tout ça. Vous comprenez? Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui. Il y a du pour et du contre. Parce que c'est pas beau, hein. C'est pas beau du tout. On écoute les infos. Non, pas beau. Je sais pas ce que ça va donner tout ça, mais moi je trouve que la vie aujourd'hui en France n'est pas celle souhaitée. Les micro-bitumes de Matt.